Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nang's Reborn. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que ça veut dire que les sorciers sont derrière vous ou les ennemis vous mettent des bâtons dans la roue. Si vous ne savez pas ce que ça signifie ou encore ce que le diable fait, vous allez comprendre ici au travers d'une vidéo que je vais vous montrer pour vous permettre de voir un peu ce que ça signifie. Soyez prêts. Comme je vous l'ai dit hier, si vous voulez réussir, soyez prêts au combat physique et au combat spirituel. Parce que il y a des ennemis qui ne vont pas vous laisser. Quand il y a un ennemi, ce n'est pas un ami. Il ne plaisante pas avec vous, il ne vient pas pour rigoler avec vous. On connaît bien le diable comme étant un ennemi. Mais il y a des humains aussi qui sont des ennemis. Les sorciers. Les sorciers. Quand je parle sur les gens te disent « Oh, ce sont les sorciers, vous êtes vaincus, vous êtes vaincus. » Comment les sorciers opèrent pour empêcher la bénédiction des gens? Je vais vous montrer ça. Déjà, vous devez comprendre un truc, c'est que dès que Dieu veut vous voir dans votre sommeil pour vous dire qu'il va vous bénir demain, les sorciers sont déjà au courant, le diable est déjà au courant. Du coup, il va se dépêcher de mettre un ennemi sur votre chemin ou des ennemis sur votre chemin afin que vous ne puissiez pas atteindre ce que vous voulez atteindre. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Regardez. Ah! Non, comment c'est possible? Comment c'est possible? Le monsieur allait pêcher son poisson tranquillement et c'était un gros poisson. Hein? Mais il ne s'attendait pas à voir ce qu'il est en train de voir. Le serpent là même, le serpent l'a précédé. Le serpent l'a précédé pour attraper son poisson. Le serpent vous a avalé son poisson avant lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est censé représenter? Mon ami, c'est ça. Quand le monsieur est venu jeter son hameçon dans l'eau là, le poisson a suivi son piège. Le monsieur était content, il dit « Oh oui, c'est extraordinaire, aujourd'hui Dieu m'a béni. » Parce qu'il va attraper un gros poisson. Mais il ne savait pas qu'il avait des ennemis. Et ces ennemis-là, ces ennemis représentent ici qui? Le gros serpent. La bénédiction que Dieu envoie pour toi, là, tes ennemis veulent être les premiers à prendre ça. Ils veulent prendre la bénédiction, ils veulent prendre ton cœur. Donc, tu ne dois pas t'amuser. Ils font des complots dans les secrets contre toi. Mais tu vas les voir un jour, comme ce que le gars vient de voir, comme ce que le gars est en train de voir. Un serpent qui est carrément là. Et vraiment, le serpent veut bouffer son poisson avant lui. Ah! Dans une telle situation, qu'est-ce que vous allez faire? Le monsieur est là, il est tellement étonné parce qu'il voit, il a décidé de filmer ça. Il a décidé de filmer ça pour nous montrer. Dieu merci, il a pu filmer pour nous montrer aujourd'hui. Et nous, on a pu voir ça. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas pu voir certaines choses. Ni, ils n'ont même pas eu le temps de filmer. À cause de beaucoup de choses qui sont passées après. Tu vas aller déposer ton dossier quelque part, mon ami, prie. Tu vas le faire les affaires demain matin, ma soeur, il faut prier. Ne te dis pas, ah, je n'ai pas d'ennemi, qui peut m'empêcher de réussir? Personne ne peut t'empêcher de réussir, mais tu auras des obstacles sur ton chemin. Chaque obstacle que tu vas voir sur ton chemin, là, ça ne sont pas tombés du ciel. C'est le diable et ses agents qui sont des sorciers qui ont positionné ça devant toi pour que tu ne puisses pas aller là où tu veux aller, ni avoir ce que tu veux avoir dans la vie. Ce que tu veux avoir, c'est le poisson. Le gros poisson. Beaucoup d'argent qui va... afin que ça puisse t'aider à faire quoi? À faire des affaires. Nourrir ta famille. Prendre soin de toi-même et investir. C'est ça que représente le gros poisson ici. Maintenant, le serpent, là, il cherche quoi là? Donc, le serpent aussi un bonheur. Le serpent, c'est tes ennemis. Si tu fais un tel souci, tu vois ça dans ton sommeil.
Si tu vois une telle chose dans ton sommeil, tu chantes, toi, tu cours après un truc, en même temps, quelque chose vient prendre la chose pour partir, faut te lever en même temps. Tu te lèves sur le champ, tu te mets à genoux devant Dieu, tu dis, Seigneur, je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. Viens combattre tous ceux qui me combattent. Tous ceux qui sont dans le monde invisible et visible, qui sont en train de me combattre, viens te charger de voir qui t'es ici. Nous, on va gagner, on va avancer. Tu vas exaucer ta prière à l'autre. Parce que Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Ah! Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Comment vous pouvez faire un truc pareil? Voici à quoi ressemble ce qu'on vous dit toujours. Qui est du genre, mes ennemis me mettent des bâtons dans la roue. Mes ennemis ne veulent pas me voir réussir. D'autres disent, ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pouvez rien, parce que cet esprit est avec moi. Sur la terre ici pour réussir, il faut se lever tôt le matin. Et quand tu te réveilles tôt le matin, ne te dis pas que ce que tu vas chercher là, tu ne vas pas l'avoir. Mets-toi dans la tête, qu'est-ce que tu vas chercher? Au nom de Dieu, tu vas l'avoir. Il sort. Il faut te galvaniser. Il faut te motiver. Oui, auto-motivation directe. Parce que tu en as besoin pour la suite. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de ce serpent. Ce gros serpent, ce gros ennemi qui se trouve là devant toi. Il ne va pas du tout te laisser aider. Mon ami, il ne va pas du tout te laisser aider. Tu vois le serpent, tu le crasses, tu prends ton poisson, tu pars. Tu vois l'ennemi, tu le crasses, tu prends ton poisson et tu pars. Le jeu des sorciers, c'est dans ci là. Je vous dis, à même temps, on va donner une vitesse, c'est pas là pour vous, vous. Le jeu des sorciers, c'est de mettre des barrières sur le chemin des enfants de Dieu. Afin qu'à un moment donné, les gens soient tellement fatigués qu'ils se découragent. Ils se disent, ah, je suis fatigué maintenant, ah, c'est fini, non, eh, non. Moi, à cause de ma propre bénédiction, c'est de me fatiguer comme ça. Mon ami, l'heure n'est pas aux lamentations. L'heure n'est pas aux gens qui disent, ah non, je suis trop, il doit arrêter, non, c'est pas possible. Mon ami, tant que Dieu ne t'a pas dit c'est fini, c'est pas encore fini. Tant que Dieu ne t'a pas dit arrête-toi, ne t'arrête pas. Tout ce que tes ennemis sont en train de faire, quel que soit leur nom, tu vas les mettre dans, tu vas les vaincre, puis tu vas avancer. Parce que tu dois avancer. Parce que tu dois avancer, oh, tu dois avancer. Tu vas avancer. Ils seront toujours là, les ennemis. Ça, ce que je suis en train de vous montrer, ça, c'est juste ce qui se passe sur votre dos et que vous ne savez pas. Juste présenter, juste comme ça, juste en image, pour vous dire, écoutez, vous riez chez vous, mais vous avez des ennemis qui sont là, qui ne veulent pas vous voir sourire. Je vous dis en même temps, dès qu'une famille est en joie, le diable, elle n'est pas content. Dès que dans une maison il y a la joie, une bonne nouvelle, le diable n'est pas content. Il va s'arranger pour transformer cette bonne nouvelle en mauvaise nouvelle. Quand le gars t'appelle le poisson, il rien. Il était content d'amener, il tirait même la canne à pêche. Il sentait que c'était du gros qui arrivait. Toute la force qu'il a mis dans ça, c'est un gros, c'est un serpent qui va sortir. Un serpent qui est sur son poisson va sortir. Voici exactement ce qui se passe. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de pitié. Le serpent, il ne réfléchit pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ouvrir sa gueule et puis avaler tout ce qui est sur son passage. C'est ça le diable. Quand tu es face à une telle situation, il faut t'armer. Il faut t'armer. Entrer même dans la maison du diable et récupérer ce qui t'appartient. Ici, là, c'est un serpent vilain qui est sur son poisson. Vous pouvez prendre son poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il sera même obligé de faire? Il sera obligé de même, non, de même éliminer tout sur son passage, tout ce qui peut lui faire obstacle, tout ce qui peut l'empêcher de prendre son poisson. Il va même les mêmes dons, il va les éliminer obligatoire, sinon, ce sont eux qui vont t'éliminer. Ça veut dire que s'il ne fait pas attention, non seulement le serpent va finir de manger son poisson, et le serpent va le mordre aussi, et l'avaler au passage.
Elle dit que là, que tu veux ou pas, tu rentres dans le combat. Il faut te lever. Que tu veux ou pas, tu rentres dans le combat. Ah, dans le livre d'Éphésiens, Dieu te parle, te donne, il te dit voici les armes que tu dois avoir. Si Dieu te dit voici les armes que tu dois avoir, c'est que tu dois combattre mon frère. Tu dois combattre ma soeur. Tu ne dois pas te laisser faire. Ne sois pas du genre, le souci me fatigue, c'est moi qui m'attaque. Mon ami, lève-toi. Tant que tu ne te lèves pas, les choses vont rester pareilles. Ma soeur, les choses vont rester pareilles. Mon frère, lève-toi. Même s'il faut t'éloigner de beaucoup de personnes, fais-le. Va chercher Dieu qui va t'aider à réussir. Non, ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voici une image qui dit tout sur le combat spirituel et les objectifs des sorciers, des démons, des satanistes dans ce monde. Empêcher les enfants de Dieu de pouvoir avoir la bénédiction de Dieu. Le diable, c'est le fouleur. Le diable n'est pas béni. Il vole quelque chose de quelqu'un pour venir donner à l'autre. C'est comme ça, c'est. Dites-moi ce que vous en pensez. Que pensez-vous de ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment vous avez fait pour vous en sortir? Peut-être que votre commentaire va aider quelqu'un. Ce n'est pas seulement une seconde qui va vous donner un vrai conseil si vous vous révélez tout pareil. Vous aussi, vous devez vous lever. Par votre témoignage, votre délivrance va commencer. Et Dieu va vous bénir. Chaque travail que vous faites sur la terre aura une récompense de Dieu. C'est à vous de jouer. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nyons Reborn et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bonne soirée de vous. Names Reborn.